はこの先へ行くんだ。僕が指揮を取ろう。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Pour ceux qui me suivent et qui ont pu voir la vidéo hier, j'ai fait une rotation sur le portail Juventus. Je pense aller jusqu'au bout, au moins aller chercher au moins le Chiellini. Donc Edgar Davids, extrêmement sympa. J'ai pas voulu me prendre la tête sur le montage, j'ai fait le matin, j'avais la flemme, bref. Voilà, donc on connaît le Dreamfest, il y a un nouveau portail Black Friday avec des offres très sympathiques. Là il y a une offre à 50 centimes, 5 Dream Ball et un ballon etc. Ça peut être très sympa, on peut se faire plaisir, 50 centimes ça va tuer personne. Pourquoi pas. On va tout de suite aller voir les deux joueurs Dreamfest d'aujourd'hui, donc Sha et notre ami Oeran qui a l'air très 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 sympa. Donc il y en avait plein qui disaient ouais, de toute façon le ORN potentiel il sera meilleur, etc. Moi je dis bon, avant de parler, faut voir. Bon, c'est vrai qu'il a un potentiel qui est très 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 sympathique, qui est extrêmement fort. Je les ai presque tous, hein. À part le... Ah mais c'est le même, celui-là, d'accord. Ouais, j'ai pas le bleu. Ah non, si, je l'ai, le bleu. Ah, c'est le Dreamco que j'ai pas. Et voilà le Dreamfest, donc Dreamfest qui est rouge. On va cliquer dessus. Carte très sympathique, avec le rouge brillant derrière, franchement, très sympathique. Tirant du piège fourmillon, donc défenseur rouge. Arabie Saoudite, Khalifazi. Voilà, Arc Khalifazi, 1023 en endurance, 15974 en attaque, 5000 en dribble, 4003 en tir, donc il ne faudra pas tirer avec lui, et passe 6004, très très bon en passe. Défensivement, il est très 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 fort, 24800 de défense, tacle 8357, très 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 fort. En contre 8578 et 7860. C'est très 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 fort. Ah, ils ont pas blagué. Avec les stats là, les stats défensifs, ils ont pas blagué. Et je trouve que la carte est pas trop mal. C'est vrai que le nouveau design des cartes Dreamfest était assez limite. Mais là, faut dire la vérité, là, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Elle est plutôt réussie. Non, franchement, très 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 fort. Rapidité 7766, 5008 en puissance et 6006 en technicité. Balle haut, normal. Ouais, ça fait rêver. Même l'interception est très très forte. On est presque sur du 8000 en interception. Alors, il donne à tous les joueurs force 12%. Donc, c'est peut-être le nouveau leader skill couleur. Au lieu des 10 qu'on avait avant, maintenant on passe à 12. Donc si on passe tous à 12, ça fera que 36%. Donc peut-être un nouveau leader skill. C'est pas le meilleur. Ça, le meilleur reste toujours le super cohésion avec 17%. Tueur d'attaquant. Et là il prend 15%. Ah là il prend 15%, frère, c'est fou. Là c'est complètement dingue. À part les milieux offensifs et milieu def, où le passif ne progra pas, là, il va quasiment prog. C'est très fort. C'est très, 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 très fort. C'est très, très fort. C'est n'importe quoi. Tacle, défense, pressing, des sables, magnifique. D'ailleurs, vous voyez, il fait le geste genre, ouais, les défenseurs, faites le pressing, et l'attaquant va se déporter. Lui, il vient, il lui prend le ballon, il le tacle. Intercession calculée, celui-là on le connaît depuis très longtemps. Qui peut monter jusqu'à 415. Le tacle peut aller jusqu'à 475. Je sais pas s'il y a des dribbles qui arrivent à monter à ce niveau-là. Faudrait voir. Peut-être le dribble de Diaz, Dreamfest, peut-être. Contre en biais, 315. Donc il va falloir peut-être vous prendre un ORN qui a un contre. Je crois que c'est le bleu qui donne le contre.
ou le potentiel. Voilà, si vous avez le double potentiel, il faut le mettre le contre S. Et pourquoi pas hein, le petit 1-2 du rouge, le 1-2, pourquoi pas. Faudra voir. Parce qu'il n'est pas mauvais en passe. Mais très très fort. Très 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 fort. Ouais, ouais. Non, défensivement. Pardon. Ouais, j'arrive pas tout depuis deux jours. Très très fort. Alors là, ils l'ont. Ouais, je trouve qu'ils l'ont respecté. Là. Le passif fait très mal. Chat doit pas être loin. Chat, il est là. Donc lui aussi, ça s'aspect est magnifique. Hein, où il pousse je sais pas combien de défenseurs. Et... Enfin, c'est un bulldozer, quoi, le mec. Il est vert. Donc il est vert. Arc Calif Asie et Corée du Sud, donc asiatique. 1051 en endurance, ça va. 23 412 en attaque, 7008 en dribble, très bien, très très bien, très très fort. 8604 en tir, un bulldozer, et quasiment 7000 en passe, donc c'est très très bien, c'est assez bien réparti. Il attaque la 8000, excusez-moi, il attaque la 8000, c'est vraiment le attaquant qui a le tac le plus fort du jeu, je crois même avec le... Il faudrait voir peut-être le Schneider Dreamfest. 4022 en contre et 5008 en interception. 6100 en rapidité, 7004 en puissance. Donc ça c'est cohérent avec le personnage qu'on connaît dans le manga, c'est cohérent. Voilà, parce que c'est un mec très puissant, c'est un attaquant très puissant. 6191 en technicité. Pourquoi ? Vous allez me dire, mais pourquoi Letko, il a 8000 en tacle? Parce que dans le manga, il est très très fort en tacle, assez même brutal, surtout avec son duel avec Shun Kosho. Donc ils ont eu un duel et d'ailleurs, il lui a blessé le pied. Enfin, ils se sont même blessés eux deux en même temps, en fait. Ils se sont télescopés. Et ça a blessé Shun Kosho et même lui d'ailleurs. Lui, il donne 12% à tous les verts. Donc, comme je vous ai dit, c'est peut-être le nouveau réveil des guerriers. Super cohésion, pour moi, reste encore plus fort. Forcément, t'as 17%. Donc, lui, plus il y a deux joueurs verts, c'est ça, qui participe au match. Et il peut aller monter jusqu'à 12%. On n'est plus sur des méta couleurs en ce moment. On n'est plus sur des méta super cohésion. Bon, là, il a jusqu'à 8 joueurs. Bon, est-ce qu'on revient à des méta couleurs avec ces deux Dreamfest? La question mérite d'être posée. Canon char lourd S89 485. Donc, c'est pas le tir le plus puissant du jeu, mais ça reste quand même très sympathique. Il atteint 85. Tacle qui peut monter jusqu'à 420. Tacle tank lourd. Les dribbles du tank lourd. Donc voilà, donc pourquoi pas lui mettre un deuxième tir. Comme ça, si vous tombez sur un joueur qui a un potentiel où il scelle un des tirs, au moins vous avez un deuxième. Par exemple, si vous avez pris le chat World Cup, qui peut être très sympathique. Et pourquoi pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Bah, un petit dribble, ouais. Si on peut lui mettre un petit dribble, 7866. Bah, je crois qu'il... Ah, mais non, mais il a un dribble à 80, d'accord. Et passe. Ouais, peut-être faudrait peut-être mettre peut-être une sorte de. Ouais, peut-être passe. Ouais, pourquoi pas. ou l'interception. Pourquoi pas une interception pour faire peur aux gardiens. Donc voilà pour les deux Dreamfest, les amis. Excusez-moi, franchement, là en ce moment, c'est l'atout, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Alors, le portail Black Friday. Le portail Black Friday, il est là, donc pour 40 Dream Ball, vous pouvez faire le step complet. Et le dernier, je crois qu'il y a un SSR garanti, je crois, non, je ne sais même pas. Donc les gens sont très sympas, j'aimerais bien avoir le Schneider. Ah, je ne vais pas vous mentir, le Schneider me donne vraiment envie. Voilà, 15 joueurs SSR garanti. Le palier 1? Ah ouais, d'accord, donc la première multi gratuite, il y a un SSR garanti dedans. Ah, c'est génial. Et pas les trois, t'en as deux. Donc pour 40 Dream Ball, t'as minimum 3 joueurs garantis. 3 SSR garantis. D'accord, ok. Putain, c'est énorme ça. Alors là, on n'est pas encore dans l'anniversaire qu'ils offrent déjà des SSR. Ok, pour 0 Dream Ball, et eh ben parfait.
On va voir les taux, on va voir le taux de probabilité pour le palier 1. Désolé encore les amis. Promis, tout à l'heure je vais à la pharmacie, je vais acheter du sirop. Ça charge, hein. Ça charge. Mais franchement, c'est un truc de ouf là. Non, c'est très sympa là, ce qu'ils ont fait. L'année dernière, on l'avait pas même. Ouais, l'année dernière, il y a... Mais quand je suis sorti. Enfin, bah, quand je suis sorti, c'était difficile parce que Black Friday était déjà parti. Donc, SSR garanti, 100%. 100, ça concerne 170 joueurs. Donc, bon, ça, c'est, on va éviter ces joueurs-là, hein, parce qu'il a des années bissextiles. Malgré qu'il y a des doublons qui peuvent faire plaisir. Mais, par exemple, qui c'est que j'aimerais bien avoir? Pardon. Hein. Alors, que j'ai toujours pas, par exemple. Moi, j'aimerais bien avoir, par exemple, le Santana rouge. J'aimerais bien l'avoir. Voilà, il est là, le contre-coulissant de Oeran. Pour récupérer pour le Dreamfest, pourquoi pas. J'aurais dire que c'est qui pourrait m'intéresser. Même si, bon, je pense que j'aurai un doublon. Hein, ça, c'est sûr et à 100%. Ah, le pierre, j'aimerais bien l'avoir. Le pierre rouge, pourquoi pas. Le pierre rouge, j'aimerais, je cracherai pas dessus. Le Robson, ça fait longtemps que je cours après aussi, le Robson. Sympathique. Le Chester vert, je crois, qui est très sympathique aussi. J'aimerais bien avoir le Alberto rouge, pourquoi pas aussi. Voilà le Santana. Voilà les deux joueurs que je vise, mais vraiment en priorité. Le Santana et le Levin. Levin qui aura bientôt un an. Le Soda aussi, je le veux absolument. Le Soda, je cracherai vraiment pas dessus. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je vais pas faire tout le catalogue, mais vous m'avez compris. Je voulais le faire avec vous, je voulais le faire en off. Avant de faire la vidéo, parce que j'ai fait la mise à jour du jeu, etc. Après, j'ai dit non, vas-y, les deux, on va attendre. Tu vas attendre de tourner la vidéo. Eh bien, écoutez, on y va. Et c'est ça garanti. Franchement, génial. Pour 0 pour 0 dB, c'est génial. Donc là, aucun suspense, normalement, hein, si j'ai bien compris. Ok. Ils m'ont fait peur. J'ai eu peur au bout d'un moment. Oh, 2 SSR. Allez, s'il te plaît, au moins un new. Je t'en supplie, au moins un new que j'ai pas. Un new que j'ai pas, s'il te plaît. Oui, bah voilà. Le Alberto. Ça fait plaisir, le Alberto. Voilà, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Allez, un deuxième. Bon. J'ai eu le Alberto. Non, mais je suis plutôt satisfait. Plutôt satisfait. Et ben voilà. Donc maintenant, si je veux aller jusqu'au troisième palier, donc je crois que le deuxième n'est pas garanti. Palier 2. Ah bah si. Bah j'ai rien dit. Donc il y a deux SSR garantis sur le deuxième palier. Il y a un côté j'ai envie de le faire. Mais il y a un côté j'ai envie de finir le portail Juventus pour récupérer le Chiellini. Non, je vais m'arrêter là. Non, faut être raisonnable. Faut être... Après, il faudrait voir combien ça coûte les DB. Voilà. Il faudrait voir. En fait, non, tu repars. Attends. Non, en fait, tu repars avec 5 SSR minimum, quoi. Donc, palier 2, 2 SSR, et palier 3, 2 SSR en supplémentaire. Donc, minimum, tu pars avec 5 SSR. Donc là, je suis déjà à 2. Hein. Donc, ça veut dire que au mieux, je peux en avoir jusqu'à 6. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est... Merci Club, là. Non, mais il faudrait vraiment merci Club, parce que... Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, ces tickets-là vont être... invocable dans 6 jours, donc ça peut être sympa aussi pour récupérer des joueurs. C'est incroyable. Bon les amis, c'est sur là-dessus qu'on va s'arrêter parce que bon, je parle trop. Donc voilà ce que j'en pense des deux nouveaux Super Dream Fest. Donc le chat, je trouve que le potentiel est meilleur. Voilà. L'ORN, ça se discute. L'ORN, ça se discute, mais malheureusement, le potentiel reste encore, à mon sens, supérieur parce qu'il a le contre automatique, enfin non, l'interception automatique, je crois, et il est très très fort. Franchement, c'est un monstre le potentiel. Donc, si vous n'avez pas le potentiel et que vous cherchez un Oeran, voilà. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'invoquer avant l'anniversaire et avant le Super Dream Fest fin décembre? Ça, c'est à vous de voir, ça, c'est à vous de juger. Mais si vous avez déjà le potentiel, le Oeran potentiel, je pense qu'il vaut mieux passer son chemin. C'est mon avis. Même si l'ORN est très très fort. Attention, j'ai pas dit que c'est une merde, mais c'est très 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 fort.
Je vous embrasse, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Captain Tsubasa Dream Team. Je vous kiffe, c'était Letko. Ciao.